Allez, allez, allez. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Allez, on se retrouve avec les courageux qui sont là, qui nous ont tenus toute la journée pour finir ce dernier match de qualification de Cyril. Ils ont mené 5-3 services à suivre. Ils ont même eu une balle de 7 juste avant. Mais malheureusement pour eux, ils ne l'ont pas converti. Après Karim, la raquette, je pense que tu peux changer rapidement et sans que ça porte préjudice à ton jeu. Hein. Les raquettes sont quand même pas si éloignées les unes des autres. C'est pas un gros problème de changer de raquette. Alors que dans cette poule, les vainqueurs, les qualifiés, c'est Anthony Gravja et Emmanuel Martin. On les a vus deux fois, on n'a pas vu le dernier match, mais ils ont battu Julien Pes et Gauthier Boutel. Un très beau ce match d'hiver là. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions pour finir cette journée, on regarde la fin de ce match. Et après on se retrouvera demain 9h. Demain 9h, vous avez tous les plannings, tous les résultats, tous les programmes sur Padel Magazine, le site. N'hésitez pas, vous avez le post épinglé dans le chat. À y aller. Et demain, on aura une grosse journée. Hein. 8 matchs sur ce central. 8 matchs, dont 5 féminins. Eh ben, honneur aux dames demain. On aura quand même un très beau match masculin le matin pour commencer. Et on finira par un quart de finale masculin aussi. Donc voilà, un huitième, un quart masculin avant la journée de dimanche. Demi-finale. Et finale. Oh, mesdames. Allez, une balle de 6-5 sauvée. Est-ce que vous êtes là, les 68? Qui est là? Qui a apprécié cette journée? Qui a regardé des matchs? Et merci à tous ceux qui s'abonnent aussi à la page. Hein, à la page Padelmag TV. Demain, on sera là aussi. Hein. J'ai rarement vu. Alors il devrait prendre avertissement, hein, Cyril. Il vient de taper dans la grille. Où est le superviseur? Là, il est énervé. Hein. Il est énervé de la tournure de ce match. Allez, nouvelle balle de 6-5. On a envie de le voir gagner ce set, gagner une partie. Il y a les équipes de l'émission Objectif Top 5 qui sont là. Ce serait bien de finir sur une note positive, une victoire. Une note positive, pardon. Mais pour moi, je l'ai déjà dit tout à l'heure après le premier match, Miguel, c'est pas le partenaire qu'il faut à Cyril. Il faut un frappeur, il faut un joueur beaucoup plus agressif, il faut quelqu'un du niveau de Miguel, bien évidemment, mais plus agressif. Miguel est, je vous rappelle qu'il est un joueur de droite qui joue à gauche avec Cyril, bien évidemment, mais qui est plutôt un joueur défensif, un travailleur. Et on voit qu'il force sa nature, là. Quelle défense il fait encore. Et vous voyez, les adversaires, ben, ils se font plaisir. Ils jouent le 60e mondial. Ouais, quand il envoie cette vibora, c'est magnifique. Et on est en live, hein, donc attention aux commentaires qui pourraient passer en direct. Et c'est fait 6-5 pour Hanouna Semler qui repasse devant. Ils menaient 5-3, ils se sont fait rejoindre et heureusement ils ne se sont pas fait breaker là. Parce que sinon ça aurait été probablement la fin. Et donc voilà, soyez là demain avec nous, vous avez toutes les infos. Toutes les infos sur le site et vous nous retrouverez sur Padelmag TV, Padelmag, demain. Et si vous êtes dans la région toulousaine, venez à Colomiers voir les matchs demain et dimanche. Entrée totalement gratuite, vous verrez les meilleurs joueurs français,
La tête de série 1 de ce tableau n'est autre que Joan Bergeron et Adrien Maigret. Le tirage a été effectué. Et ils ne sont pas dans la partie de... Dans la partie de Bastien Blanquet et de Dylan Guichard qui voulaient éviter. Voilà, le tableau est peut-être un peu plus costaud en haut. Où ils sont en bas. Et chez les dames, tête de série numéro 1, Léa Godalier, Fiona Ligier, équipe créée uniquement pour ce tournoi. Elles devront se méfier de pas mal d'équipes. Hein. Charlotte Soubrier, Elodie Invernon. Mes favorites hein, pour moi, je le dis. Mes favorites du tournoi. Vous l'avez entendu ici. Jessica Gignier, Lucille Potier pour aller gagner le tournoi. La grosse cote. La grosse cote pour aller gagner ce tournoi. Ben, je pense qu'elles vont le gagner. Lucille qui est dans une série incroyable. Jessica qui progresse, qui revient à son meilleur niveau chaque semaine. Bien joué ça de la part de Cyril. Et dans une autre poule, garçon, Justin Marleau et Benoît Chauvet ont perdu leur dernier match contre Quaro. Quaro qui joue avec... Aïe, 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 j'ai perdu son nom. Un joueur apparemment très très fort, dont on nous a dit le plus grand bien. Voilà, quelle défense de Cyril. Ça c'est très bien joué. Je vais vous le dire tout de suite avec qui jouait Romain Quaro. Romain Quaro, il jouait avec Nicolas Rouanet. Voilà, qualifié de la poule A. Dans la poule B, qualifié, je sais pas, c'est encore en train de se jouer. Normalement ça devrait être du Martin Insosti. Poule C, on l'a vu, Grave Jamartin. Et poule D, ça se jouait encore. C'était finale entre Boutier-Ferrara et Lamblin de Barbérac. C'est terminé. Je ne vois aucun des quatre, donc je ne pourrais pas vous donner le résultat. Et voilà, un peu tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Ouais, objectif top 100, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, mais je pense qu'ils resteront en objectif top 100, mais même quand il sera un peu plus bas, malheureusement. Et là, il va pas prendre de points. Alors après, il est 2 balles de 7 sauvées, 40 ans. Ils sont inscrits à un P500 ce week-end à Agnès. Miguel Semler qui va donc faire un P500 en France. 60e mondial. Avec Cyril, ils sont tête de série numéro 1. Et tête de série numéro 2, c'est Damien Favre qui joue avec... Ah, j'ai un doute. On me l'a dit, j'ai oublié. Damien Favre... Quel retour de Miguel, quel retour. Utopie top 100. Il faut quand même se signaler que Miguel Semler est arrivé du Mexique ce matin à 7h du matin. Donc imaginez, il est arrivé du Mexique à Paris, ils ont pris l'avion pour venir à Toulouse. Et là il est en train de jouer, donc entre la fatigue du voyage, le décalage horaire, le fait de changer de côté, le fait de jouer en salle, la température qui a dû baisser pour lui de 20 degrés. Très compliqué. Hein. Vraiment très compliqué. Et une petite dernière fois pour la soirée, hein, mais mettez-nous un j'aime. Cliquez sous la vidéo, sur le petit bouton, le petit pouce. Ça nous aide énormément. C'est totalement gratuit pour vous et ça permet à la vidéo d'être mieux référencée. Si vous vous abonnez et que vous mettez un commentaire, vous êtes les meilleurs. Allez, c'est une balle de 6-6. Et il a tapé la grille. Ils se font plaisir, hein, les adversaires de Cyril. Alors qu'on nous a proposé un nouveau titre pour l'émission. Utopie Top 100. Je suis avec la directrice de l'émission. Qui a entendu la proposition, qui n'est pas contente du tout. Non, c'est vrai, Hanouna, Cyril ne vient pas du Mexique. Mais le problème, c'est que voilà, le match, il dépend pas mal de son partenaire et du niveau qu'il va avoir. Et bon, Miguel Semler, bien évidemment, un joueur top 60 mondial, il a un niveau excellent, mais pas au niveau qu'il pourrait avoir. Après, il est capable de défense.
Ça joue à la baballe, c'est beau ça. Hein, c'est trop gentil ça. J'ai rarement vu Cyril aussi énervé. Et on rappelle que sur World Padel Tour, vous touchez la grille comme ça, c'est avertissement. Donc il faut faire attention. Bien joué de la part de Miguel, 1-0 dans ce tie-break. Alors que le grand Romain Coirot s'est qualifié sur le score de 6-3, 6-3, aucun problème. Qualification ultra facile et il jouera demain contre qui ? Reichmann sera un Philemon Reichmann qui revient de blessure, gros match qui sera pas à suivre sur nos antennes. Allez Cyril, il faut gagner ce tie break, il faut aller jouer un super tie. Il va l'avoir. Et non, elle est faute de un mini break. Mini break pour Cyril. Merci hein, à ceux qui ont mis un petit like, qui se sont abonnés. On a presque doublé le nombre d'abonnés sur la chaîne hein, aujourd'hui. Presque à 200. De partout, mini break effacé. Le score du match ? Emmanuel Martin et Anthony Gravja qualifiés aussi. 4-6, 6-0, 10-6. La balle est bonne apparemment. Incroyable hein, cette volée de Miguel. Allez, 3-2, ils sont devant. Il faut aller chercher le mini-break. Hein. Oh, quelle zone. Quelle défense. Bien ça Cyril, bien. Et très bien joué cette Chiquita de Miguel. Qui donne un mini break à son équipe, 4-2. C'est le dernier match de la journée, quasiment tous les matchs sont terminés. On voit des joueurs de demain en train de s'échauffer. Ayuso Manarino, Moura Garcia. Est-ce qu'on... Il y a d'autres matchs en cours, je suis en train d'essayer de regarder. Pour Cyril. Ah dommage. Dommage. 4-3. Alors que le sélectionneur Pablo Emma qui vient nous dire bonjour. Il vient surprendre Franck Ministi. Allez, 4-3, service, Miguel. Un peu tendre ça, Cyril. 4-3. Ça, c'est bien joué aussi. Allez, il faut finir là, Miguel. 5-3 pour Cyril. En 7, premier à 7. Allez, il faut gagner ces deux points pour aller au super tie-break. Ça, c'est bien, volleyé. Et derrière, très bien fini. 6-3, 3 balles de 7. Après, il faut faire un super tie-break en 10 points. Bien bloqué. Bien, Cyril, encore. Oui, encore. Il va l'avoir, celle-là, Miguel, tranquille. Il va l'avoir, ça, c'est très mal joué. On a un peu de chance. Ah, c'est fort. Il va l'avoir, Miguel. Aucun problème pour un joueur de ce niveau. Oh, Cyril qui la donne trop facile. 6-4, encore 2 balles de 7. On rappelle qu'il menait 5-3 tout à l'heure.
qui sont fait remonter. Il va l'avoir, celle-là, tranquille. Il a tourné. Bien, Cyril, bien. Très bon lob. 6-5, la dernière. Dernière balle de 7 de la, des 3 qu'ils avaient. Servi Cyril Hanouna. Là, il va servir la vitre. Je le connais par cœur. Très, très fort. Ah, il n'a pas réussi à la toucher. Ah, il faut garder le filet. Heureusement, Miguel est là. Oh là là, la balle qui a glissé. 6 partout, 3 balles de 7 effacées. Ouh là 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 là. Cyril a la tête des mauvais jours. Encore à Cyril de servir. Allez, c'est pas fini pour eux, hein. C'est pas fini. Ils peuvent encore gagner ce set et ce match, faut y croire. Ça s'est bien volé. Ah, il a pas de chance, LD. Ouh. Nouvelle balle de 7. Ouais, Cyril, sweet capuche là. Il a pas mis le t-shirt pour le dernier match. Allez, faut l'avoir celle-là. Bien. En plus, très bien joué dans les pieds. Il va lober. Voilà. Ouais, super vibro, hein, Lever One. Oh, et Miguel qui la laisse pas dans le terrain. 7 partout. Quatrième balle de 7 sauvée. Service Erwan. Est-ce que ça sentirait pas la double faute, ça? Ouf. Bien, Cyril, bien. Il touche la grille, là. Ça, c'est bien aussi. Voilà. Et ça y est. Cinquième balle de 7. Est-ce qu'ils vont le faire? Service de Miguel en plus. Miguel, il va envoyer la poudre là. Qu'est-ce que c'est bien servi. Et c'est fini. Une manche partout. Enfin, à la cinquième balle de 7. Ça y est. Et vous l'avez peut-être entendu en direct, hein. Gros tournoi en Corse à venir en mai avec Galan Lebron. Alors ça, ça serait incroyable. Bien Cyril, ça c'est bien. Allez, super tie-break qui commence. Faut partir devant. Donc ça, si ça se fait, ça sera un événement fou, hein. Galan Lebron, apparemment des joueurs argentins aussi, Cyril Hanouna, les meilleurs joueurs français pour un tournoi exhibition en Corse en mai. Bien Cyril, elle ressort un peu, elle a glissé, ça, ça va faire 1-0. 1-0 Hanouna Semler. Pour Cyril. Plus que 9 points et il gagnera un match aujourd'hui. Allez, on y croit. Même si c'est pour l'honneur, hein, on se rappelle. Oui, les 4 joueurs sont fatigués là. Ouais. Allez, Cyril. Allez, ça, ça va être tapé.
Bien Cyril, bien, bien, bien. 2-0. Ah là là, il touche le plafond. Plus habitué à Mexico. De partout. Vibora, Cyril n'a pas avancé. Allez, 3-2 pour Cyril. Bien joué ça. Super défense de Erwan. Ouh, qui fait une grosse faute derrière. 4-2. Deux points d'avance. Et vous l'avez peut-être entendu, hein. Gros tournoi encore sans mai. Avec peut-être Galan Lebron en exhibition. Ça serait incroyable, hein. Ce petit tournoi. On va voir si ça prend en forme. C'est libéré un peu Cyril dans la journée. Oh, que c'est bien joué. La balle me semble bonne, mais il me semble que... Ouais, il me semble qu'elle est bonne. Hein. Alors là, j'ai entendu un nom de Cyril, mais... Ça doit faire 4-4. Ça fait même 5-4. 5-4 pour Corbon Boursereau. Allez, 5 partout, égalisation. Elle est dehors. 6-5, Hanouna, Semler, qui sont devant. Faut aller en 10 là, c'est un super tie break. Il a eu peur qu'elle glisse, Miguel, il s'est approché de cette balle. Faut avancer Cyril. 6 partout. Alors j'ai toujours un doute sur cette balle là-bas. Ouais, Miguel qui me confirme, 6 partout. Ouais, Miguel, hein, c'est un guerrier, hein, parce que il a l'avion dans les pattes, le décalage horaire, la fatigue. Ce dernier match, il joue plus pour rien et il le joue à fond. Il a envie d'offrir une victoire à Cyril. Alors peut-être qu'il a un bonus. Hein. Un bonus au match gagné, je sais pas. Allez, il va finir, ça va faire 7-7. Bien joué. 7-7, money time. Je crois que Miguel et Cyril n'ont jamais gagné ensemble. Au P2000, au Pyramide, 3 défaites. À Rouen, ils avaient perdu au premier tour. Non, pour l'instant, compteur est vierge. Oh,
8-7. Effectivement, on s'en rapproche à deux points du match. Ah, il va l'avoir en plus celle-là. Ça va pas suffire. Allez, faut lancer une barada de l'espace. Qu'est-ce qu'il est beau à voir déplacé par contre Miguel. En défense, c'est un chat, c'est magnifique. Incroyable, hein, ce joueur qui joue au padel depuis 3 ans. Hein. Messieurs, dames, vous qui jouez dans les clubs, ce joueur joue depuis 3 ans. Oh, Cyril qui a un peu de chance. 9-7. Deux balles de match. Deux balles de match pour Cyril Hanouna et Miguel Semler. C'est pas fait encore, attention. Hein. Ils sont spécialistes. Oui. Il tape sur Cyril. Oh, alors celle-là, s'il perd le match, ils vont en parler pendant 3 semaines. Ouh là 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 là. Exactement. Il fallait juste la pousser. Mais c'est Miguel qui sert. Tout va bien. Miguel a pris les balles. Allez, Miguel pour aller chercher ce match. Elle est dehors. Dommage. Ça sera sur une deuxième. Mais regardez l'agressivité. Regardez ce qu'il va faire sur cette deuxième. Bien sûr, ils vont lober Cyril. Et c'est 9 partout. Balle de match sauvée. Aïe, 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 aïe. On tourne encore. Alors qu'ils ont tous envie de rentrer, l'équipe de Cyril. Tony Le Corse qui veut rentrer. Il est avec nous pour cette fin de match. Allez, Miguel, il faut aller gagner ce point. Oh, elle est bonne. Oh, aïe, aïe, aïe. Si, c'est bon. Il va taper. Oh, oh, il se rate totalement. 19 nouvelles balles de match. Allez, c'est annoncé par Tony. Tony annonce la victoire de Cyril sur ce point. Et malheureusement, non. 10 partout. Tout à l'heure, tu avais annoncé 15-15 aussi. Hein. Donc, on n'est qu'à 10-10, mais ça peut y aller. Hein. Allez, Cyril au retour. Bien retourné, ça, Cyril. Faut lober. Ouh, que c'est court. Il a réussi à la bloquer. Il va l'avoir. Ouais. 11-10, balle de match de nouveau pour Cyril Hanouna, c'est la troisième. Cyril qui sert, aïe aïe aïe. Effectivement, il faut faire le signe de croix. Il a bien servi là. Oh là là, il en a pas mis beaucoup. Ça va faire 11-11. Non, non, elle est bonne, elle est bonne. Ah, c'est Miguel qui prend la balle, il va taper fort. Quelle défense. Quel volet derrière. C'est Miguel qui rate 11 partout. Et non, Florent, ça fera pas 12-10. Alors qu'on arrive à... Oh, on va dépasser les 100. On était 30 tout à l'heure. Allez, Cyril encore au service. Oh, que c'est bien lobé. Bien tenu. Ah, oh, il s'est fait prendre par l'effet. 12-11. Nouvelle balle de match pour Cyril. Allez, le... Non, c'est ses adversaires. Ah, il est fatigué. Lui, c'est peut-être le joueur le plus fatigué, Erwan. Attention, pas faire une double faute. Non, Rapo, on l'a vu tout à l'heure, jamais. Ça n'est jamais arrivé. Allez, c'est leur quatrième balle de match. Cyril au filet. Et la quatrième est pas la bonne non plus. 12-12, ça tourne encore. 12-12, c'est incroyable. Là, on a un 14-12. À 14-12 contre Cyril. Ça tourne à 12-12. Et oui, on arrive... Si, ça tourne. Et non, ils ont oublié. Allez, 12-12. Le superviseur qui n'est pas là, il va l'avoir, Miguel. Quelle vitesse de jambe. Ça va être Miguel dessous. Regardez la barada. Regardez ce qui va descendre. Et les fautes, 13-12, cinquième balle de match pour Cyril, service de Miguel, service de Miguel. Merci à tous d'être là.
Bravo les gars. Allez, est-ce que c'est le dernier point? Ah, c'est Ricky qui joue doucement là, un peu trop fort. 13 partout. 13 partout, messieurs, dames. Le restaurant. Ouais, le restaurant ferme à 22h. Il est 21h30. Ah, Tony dit que Cyril perd, c'est pas normal. Moi, je dis que Cyril gagne. Je dis que Cyril va gagner. En Corse, alors. D'accord. C'est pendant l'événement qu'il y aura en mai. Pas de problème. Allez. Parfait. Allez. Ça, ça va faire point pour Miguel. Regarde. Quelle délicate. Ah non, il l'a défendu. Oh. Ok, elle est bien tapée. Tu l'as, Miguel. Tu l'as, Miguel. Oh non. Cyril un peu loin du filet. Et c'est la première balle de match. Avec quoi? D'accord. Allez, 14-13 pour Corbon Boursereau. Faut avancer, faut avancer. Regardez Miguel comment il y est allé. Et il va l'avoir encore. Quel lob. Faut coller, faut coller. Avance Cyril. Allez, Miguel est là. C'est dommage là qu'il puisse pas communiquer. Vas-y Miguel. Me fais pas mentir, mon petit. C'est fini. C'est fini. Victoire d'Erwan. Bravo Tony. On s'en rappellera. Ah là là, incroyable. 15-13, Corbon, Boursereau. T'as annoncé 15-15, hein, ça fait 15-13. Eh, Rapo, hein, c'est vrai, t'avais annoncé 15-13, bien joué aussi. Merci à tous ceux qui ont été là. Ça sera le dernier match de la soirée. On va... Je vais vous... Voilà, vous avez le visuel sur moi. Vous voyez qu'il fait pas très chaud à Toulouse. En plus, j'ai ma voix un peu enrouée. On va essayer de l'économiser pour demain. La journée va être très longue. Programme demain à 9h. 16e de finale, dames. Ensuite, on enchaînera 16e de finale, messieurs. Et toute la journée, on sera là. Toute la journée, on sera là avec vous. Rejoignez-nous. Si vous ne l'avez pas encore fait, mettez-nous un like sous la vidéo. Et un petit... abonnez-vous à la page de Padelmag TV. Et on voit... regardez-le. Il est là, Anthony Gravja, qui nous a fait... qui a été le fil rouge toute la journée. T'es là. Dis bonjour. Est-ce qu'ils sont là encore, toute ta famille? Je sais pas. Je sais pas s'ils sont encore là. Eh oui, ils t'ont encouragé. Donc, victoire au dernier match. 4-6, 6-0, 10-7, c'est ça? 10-6. Et voilà. Et demain, vous jouez? Demain, on joue Wagner-Musser. Wagner-Musser, les Strasbourgeois. C'est